Hop là. Attaque à l'avant du peloton. L'échappée du jour ne... Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. L'attaque de Tony Martin. L'écart se creuse, plus de 2 minutes. Le peloton semble laisser filer. Le tempo s'est ralenti. On ne s'entend plus en tête du peloton. Allez, on va reprendre un peu de temps là. Allez les gueux. Le chat. Petit à dit le chat. Échappé. Allez les gars, on va rechercher. On y va.
peut-être mettre un petit peu de musique. En penser. Alors. Spotify, il est où Spotify? Spotify. Spotify. Et là Spotify. Allez les gars. Oh! Merci Hansen pour le follow. Merci bien. C'est très très gentil. Merci. Ça, c'est gentil ça. Que c'est que ça? Surprendre les adversaires. Ah mais moi je vais laisser pisser là. Bon, je vais regarder juste si le son il est pas trop fort sur Twitch. Merci Hansen pour le son. Merci bien. Très très gentil. Merci. Le son de la musique. Surprendre les adversaires. Ah mais moi je vais laisser pisser là. Bon, je vais regarder juste si le son il est pas trop fort sur Twitch. J'entends pas la musique. Vous entendez la musique dans le chat, les gars? Messieurs, dames, pardon, excusez-moi, il n'y a pas que des gars. Pas le son de la musique. Il n'y a pas de son. Pourquoi j'ai pas le son? Et qu'est-ce que c'est que ces notes? Présente. J'entends pas la musique. Vous entendez la musique dans le chat, les gars? Messieurs, dames, pardon, excusez-moi, il n'y a pas que des gars. Pas le son de la musique. Il n'y a pas de son. Ah, ça y est, il y a le son, là. Cool. Super. Allez. Oh, putain, 3 minutes. Écoute, Mochier, tu vas aller bosser un peu. Hein. Écoute, je suis pas venu ici pour enfiler des perles. Ah oui, putain, je me souvenais pas, c'était lui, le maillot vert. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Les faire relayer à deux. Ah, c'est important. On signale la chute du Polonais Kwiatkowski. Ah merde, il est tombé, ce con. Le plus important, c'est les pulses.
Moche, toi, tu restes tranquille. Le noir, il va faire le boulot un peu. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. 25 km avant le sprint intermédiaire. Allez mon grand, on y va. Allez, ben je vais les relayer aussi. Ah oui, ce serait bien, c'est d'avoir un petit peu à boire quand même. Moche. Ça va être chaud pour lui remonter aussi au sprint. Annule. C'est le noir qui va aller chercher à boire. Il faut se ravitailler là. Allez, on garde sa position. Ouais, lui, il manque que de peloton. Hein. Il est au fond. Il est au fond de la classe, lui. Le son, ça dit quoi, ouais. Allez, on garde sa position. Et le son est bon. Ouais, lui, il manque de peloton. Et nous voilà. Ça va être compliqué, je trouve. T'es ruiné, Tcho. Allez, repasse-toi un peu. Accélère un peu. Ah, le plus important, ouais, c'est passer sprint intermédiaire. Tu prends des points, mais c'est pas grâce à ça où tu peux jouer le maillot, quoi. C'est plutôt le sprint final. 3 minutes, mi-course. On va les faire bosser après. Le un coureur peu plus de points, va devoir faire un effort pour rentrer dans le peloton. Pas utile. Décrocher. Un leader vient de se faire décrocher. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Allez, on y va. Bon, je vais peut-être accélérer jusqu'au dernier sprint intermédiaire. Il me semble. Non, c'est plus. Je suis con. Allez, on accélère. On garde tout le temps un écart de 2 minutes 30.
Je vais devoir bosser après un peu pour mocher quand même. Même si je suis le leader. Qu'on va relier à 3. Alors on applique la stratégie. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. On tape un plusieurs petit contre la montre là sur les derniers 20 km. L'arrivée est à moins de 20 km et il y a toujours plus d'une minute d'avance pour l'échapper. Le suspense reste entier. Allez. On va bosser à 3 les gars. Les collègues derrière sont pas très motivés. Ah si, ils sont revenus, putain merde. Allez là, on relaie. Il reste 20 bornes. Ça va être chaud. Oh que ça va être chaud. No du diou. On tape un peu dans le rouge là les gars. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. C'est compliqué. Hein. Ah, ça attaque. Allez, on garde contact. Hein. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Encore 10 km à parcourir. Allez, on va puiser au fond. Allez, on puise. 95 là, les gars. Faut que j'arrive à revenir sur le noir là. De reprendre les échappées. Allez. On se fait mal là. De l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. On est bon là. Allez! Allez, on sprint. Ah, c'est chaud. Ouais, 2 km avant, ça va être tendu. Hein. Oh, le noir, il y va. Oh merde! Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. C'est beau. Tout en puissance pour une encore merci, hein, Hansen, pour ton follow. Tu es le 338e follower. Merci. Les retardataires continuent à arriver. Et voici maintenant les instants clés de la course. Ah, j'ai pas la cam là. Pas normal. Pour interruption. Et alors ? Bédidon. Bédidon toi.
Ah, je suis là. J'y suis ici. Je suis plus là. Attends, mais comment cela se fait? Là, le monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, dis donc? C'est pas normal ça, dis donc. Dis donc, dis donc. Ah. Il est là et... Alors... On peaufine en même temps. Ça ne dérange pas, j'espère. Hep, hep, hep. Il est là, en fait. Merci, bandit, pour ton follow. Merci, ça fait bien plaisir. Ça me donnait du fil à retordre aujourd'hui. C'est terrible, donc. Caméra, je la veux ici. Ici, la caméra, voilà. Alors, merci, bandit, pour le 339e followers. C'est bien, ça continue. C'est bien, c'est cool. Grâce à vous. On est pas mal, là. Le just chatting. Merci pour les petits cœurs. Merci. Bon. Ça va être du sport ou... C'est pas vraiment des étapes qui m'intéressent. C'est 3D, allez. Allez, c'est parti. L'arrivée, elle se fait sur un pic, hein. Oh du. D'ailleurs, mes alertes là. J'ai foutu un bordel là-dedans. Alors, rôle de leader du classement général. Conserve le maillot leader du classement général autant. On compte sur toi pour le classement général. Reste sur la défensive jusqu'à dans le final de la course et si le terrain le permet, essaie de grappiller du temps sur les autres favoris. Ouais, bah écoute, on va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut, chef. Thomas. Ah là, j'ai tout ce beau monde pour moi. C'est beau. Thierry Gauthier, Mautier, Lenoir, Devaux, Louvet. J'ai tout ça pour moi. C'est beau. L'écart est maintenant de plus d'une minute. C'est de toute beauté. Ah, Lenoir, il remporte le maillot blanc. Il a remporté le maillot blanc. Le meilleur jeune. Il est deuxième, à mon avis. Donné que c'est moi le meilleur jeune.
Ah, il est troisième au tangent. C'est bien, ils vont bosser un peu là. On va même avancer un peu. Je suis à plus 4 quand même. Voilà. Peut-être tenter une attaque et rien faire. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Le chat. Et quoi? Je tente pas. À 3 minutes. Comment dire? Ça risque d'être chaud. Ça va être show time. Hein. Tente quand même, allez. Ah bah direct. Il... Attention, regardez, il est en train de partir. J'attaque direct. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. J'arriverai pas à sortir. C'est ouf. Merci au Fair Peck pour ton follow. Ça fait bien plaisir. Et bienvenue à toi. N'hésite pas à échanger dans le chat. C'est fait pour ça. Merci. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton. 340 follow, c'est magnifique. C'est super. J'ai l'impression que ma cam elle bouge plus. C'est bien le cas en fait. C'est bien le cas. Attention, est-ce que c'est résolu? Eh ben non. Ah si, je suis là. Wouhou. Merci pour les follow en tout cas. Ça fait très 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 plaisir. Bon écoutez. Louvet me protège. Ah, c'est dans le final que ça va se jouer. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans le chat. Ça fait toujours plaisir. Même si ce n'est qu'un salut. Ce n'est pas dérangeant du tout. Et salut VirgoPros. Bienvenue à toi. Carbone 14. Bienvenue à toi. Le ton a largement augmenté son rythme. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts.
Dès le début de l'ascension, hein. On va se mettre à relayer. 90. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton. 90, c'est pas mal. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Même pour cent. Ouais, c'est chaud. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Allez. Encore 10 km à parcourir. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. On n'est plus que deux là. Attaque de Daniel Oss. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Allez, on relance un coup là. Allez les gars. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Allez. Go. Oh. Ça y est, le sprint est lancé. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Sur l'emballage final, oui. Il a mis tout le monde d'accord. C'est une victoire amplement méritée. Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à genoux. C'est bon. Bon, petite pub. La pause s'impose, hein? Tweet Twitch. Et mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme pub? Lancer une coupure. Bon, allez. J'arrive, à tout de suite. Ah non, j'ai mis une de 30 secondes. A tout de suite.
Heureux. Pas trop long. Alors. J'aurais bien essayé en multi un peu. Qu'est-ce que ça donnerait en multi? Mais j'ai ma webcam qui a un problème en vrai. Supprimer? C'est pas un problème ça. Voilà. Eh, est-ce qu'il est pas beau comme ça? Sans déconner, il est pas beau comme ça? Voilà. Pas mal là. Il est pas mal. Qu'est-ce qu'il en pense le chat? On est pas mal là. Ah, là, il nous propose un contre-la-montre. Alors, c'est pas du tout mon genre de gameplay. On va le laisser. Est-ce que je peux... Oh, on va essayer de rajouter un truc. Non, pas ça. Une petite capture de jeu. Pour la mettre ici, là. On va le mettre sur le haut. Ça clean, voilà Joel. Alors, outre là derrière, voilà. C'est du good game. Hein. Bon, voilà, là c'est un petit contre la montre. Je vais le simuler, hein. Étant donné que c'est pas mon. C'est pas ce que je kiffe le plus, quoi. Après, on va essayer en multi. D'ailleurs, on va peut-être même essayer maintenant en multi. Alors, retour au menu. Écoute. Alors, multijoueur. Tournoi de babouche. Non, écoute. Je sais pas où on va là. J'ai aucune idée, sans déconner. Et bien là. Pas ce qu'on va faire, mais salut. C'est quoi ça? À jouer. Non, je dois choisir une équipe, là, il me semble. Tout de suite, non, écoute, n'importe.
On va voir. On va voir. Ah, ça y est, il choisit son équipe. Ah, j'ai 2 R, c'est risqué quand même. Bon, moi je prends Ineos. Hein. Pas chier. Yo, Tom Tom. Taon, Taon. C'est ça, Tom Tom, ton pseudo? Je sais plus. Je sais qu'il y a longtemps que tu me suis. Départ dans 14 secondes. Ça va donner là. Eh ben c'est pas rapide. C'est moi ou le live lag? Welcome! Bienvenue sur le chat. Bon, il attend quoi là pour lancer? C'est d'un long? La charge, hein, les gars. Équipes. Vaut-il mieux attendre les 3 derniers kilomètres avant l'arrivée pour tout donner et tenter de grappiller quelques secondes, ou bien lancer une offensive lointaine dans la montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, histoire d'enflammer la course, mais quitte à ne rien gagner? Réponse d'ici 130 km.
Allez, et Geraint Thomas, qui passe à l'offensive maintenant. Attaquant solitaire en tête du peloton. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Oh, chute à l'instant du Slovène Primoz Roglic. Attention, un leader est décroché. Allez, et Geraint Thomas, qui passe à l'offensive maintenant. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. L'écart augmente. Plus de 2 minutes. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Oh, merci Osmus pour ton polo. Ça fait bien plaisir. Ça fait très 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 plaisir. Eh bien, bien le bonjour, hein. C'est l'heure de la pub. Eh ben, allons-y gaiement, nous allons mettre la pub. Et c'est... attention, une pub de 60 secondes, merci Magix. Ça va mon petit coquin ?
du mal à partir là, putain. Ben ça va, nickel, nickel. Allez, on va relayer là, mec. Hein. Pour rejoindre. Hein. Démarrage de Chavez. Pep, les gars. On lâche pas tonton comme ça, hein. Non mais oh. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Attention, regardez, il est en train de partir. Ça va la musique, c'est pas trop fort, Magix? Allez, gérer le groupe. Allez les gars. On va montrer un peu à la télé qu'on est là. Hein. Oh. Non, c'est bon. Ok, nickel. Allez. La team DL. J'ai du mal à prendre les relais là. Allez vieux. On va écumer un peu à l'arrière là. On va essayer. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Hey hey! Allez! Qui nous allons faire partir? Carapaz. Il y a un petit peu un nom de Pokémon, lui. Carapaz. Oh ouais, bah l'autre il fait rouler tout le monde là. Seul. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Allez, Garen! Ah putain, le tir d'attaque. J'ai plus de jus.
Allez, Bernal. Allez, Tcho. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement... Ah, j'ai pas géré. Clairement, j'ai pas géré. Attaque de Romain Bardet. Mauvaise gestion là. Dylan Teuns vient de placer un démarrage. Attaque de Primoz Roglic. Chris Froome à l'attaque. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Un coureur tente sa chance en solitaire. Cette descente va permettre aux coureurs de récupérer quelque peu de leurs efforts. Je sais pas ce que ça va donner. Oh, comment ils font pourtant? On arrive à la moitié de la course. C'est le moment propice pour se ravitailler. Juan Dennis qui passe à l'attaque. Juan Dennis, allez Juan Dennis. C'est un peu comme Bryce, non? Peut-être son cousin. Un leader vient de se faire décrocher. Esteban Chavez qui accélère maintenant. Attaque de Romain Bardet.
l'attaque de Primoz Roglic. Ils me mettent à l'amende. Pas grave. Faire un truc. On va faire ça. On va faire relayer tout le monde. Eh ouais. Si on peut pas la gagner, on va faire en sorte qu'ils gagnent pas trop de temps, quoi. Ou ça. Mais par contre, Monsieur Froome. Les coureurs franchissent un passage délicat. Maître Froome va attaquer. À 10%. Grand maître Froome. Fort critiqué, mais... Ça bouge. Décroché ! Un leader vient de se faire décrocher. Je sais pas comment il fait pour mettre tout le monde devant comme ça, lui. On attaque le dernier tiers de la course. Ce n'est plus le moment de quitter l'écran des yeux. Ah merde, ça c'est ballot ça. Ouh là là là, mais quelle chute spectaculaire! L'Auvergnat Romain Bardet passe à l'attaque maintenant. Crevaison, le coureur va devoir s'imposer un effort pour rentrer dans le peloton. Attention, un leader est décroché.
l'attaque de Romain Bardet. Suspense, suspense, suspense. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Une des motos nous annonce une chute, mais qui n'a pas eu de conséquences sur la course, semble-t-il. Oh, ça va être chaud là. Faire quelque chose, j'y crois pas. Je suis étonné de la G2R quand même. Marche de ouf. Hein. Attaque de Mathias Franck. Décroché ! Un leader vient de se faire décrocher. Ils sont vidés, mes mecs là. Ouais, c'est fini pour moi là. Y'a plus de jus. Le citron il est pressé là. Écoutez, finissez comme vous pouvez, les mecs. Hein. Essayer de te faire remonter au maximum, écoute. Ouais, j'ai pas compris comment ils ont fait pour être aussi forts avec une si petite équipe. Je dis pas si petite, elle est pas si petite que ça. Mais j'ai pris l'équipe leader, on va dire, et le mec il m'a mis une culottée, quoi. Oh, merci Abby pour le follow. Ça fait bien plaisir. Ça c'est cool. Merci. Ça encourage parce que là, la déception et tout. C'est vraiment mal au cœur. On s'est tenté faire quelque chose, mais au final. Je suis mauvais aussi. Je suis très mauvais. Encore 15 km à parcourir. Allez Chris. Allez Tchou. Et tu es mon 343e followers, Abby Loy. Loy. Allez mon grand. Allez.
On y va là. Ils sont encore loin devant quand même. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Ça risque d'être tendu. Ça va être chaud. Je vise même pas le top 10. Hein. Allez Bernal. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Allez! Ils sont cuits les mecs. Allez mon grand. Peut-être moyen encore. Oh non putain. Le mur qui arrive là, c'est ouf. C'est ouf le mur qui arrive là. Ah lui il tape bien dans la gueule. Putain. Allez Chris. Attaque de Romain Bardet. Ouais bah Bardet. Bardet est cheap. Ça va très vite maintenant. Ouais c'est chelou quand même. Attention, un leader est décroché. Allez Cara. Et sur la ligne d'arrivée, eh bien c'est la victoire de Primoz Roglic aujourd'hui. Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à genoux. Ouais, allez. Je suis vert. Ah, je suis deg. Eh B. Ça, c'est vraiment. J'irai pas la suite, Magic. Les meilleurs moments de la course. Ça, c'est vraiment. Alors, les résultats. Ça va être autre chose. Bon, lui, il faut le licencier. Ah ouais, putain, j'en ai préparé deux. Ouais. Bah, c'est compliqué, hein. Même quand tu roules pas, c'est physique, hein. Bon, on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer sur du cyclisme, toujours. Chez Albantry. On va s'arrêter là. Manger, puis on reprendra peut-être tout à l'heure. Enfin, si j'arrive à faire quelque chose, là, je sais pas, mon écran il est bloqué. Ah voilà. Donc moi je vous dis à plus tard et encore merci de m'avoir suivi, c'était super cool. Je vous en remercie.
C'était bien sympathique. Et vous allez voir, c'est un mec sympa, Trialban. Il est cool, c'est cool. Et lui en plus, là, il est en train de suer, lui. Pas la même chose. Allez, je vous fais des bisous. Tchou!